Ah ouais. Se répandit sur la terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde, et au respect de la loi. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est, en quête de territoire et de richesses, dans le désert du Mojave. À leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage Hoover et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour, sous un drapeau différent. Une armée gigantesque, composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant 4 ans, la République parvint tant bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion. Mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilités et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé par le Mojave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semblait être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paye. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. On encaisse nos gains. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faucheton. Compris? On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, aider était pipé depuis le début.
Ok, bon, ça c'est l'équipement DLC. Ok. Ça y est. On va se réveiller. Vous avez repris vos esprits. Oula, du calme. Doucement. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom ? Allez, on va prendre un nom. Mauvais karma total. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous n'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Le résultat vous convient ? Bon, là, c'est la création de personnage. On va pas... Bon, allez, c'est bon, allez. Hop, on y va, sérieux, hop. L'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Allez, bon. Essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Là, on va prendre les attributs spéciaux. Alors, intelligence, charisme. Ta-ta-ta. Intelligence une deuxième fois. Endurance et force. Et voilà, c'est bon. Ouais, c'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu, je dirais que c'est une bonne. Pas encore. Bien, on sait que sur le plan physiologique. Tout va bien. Pas bien physionnaire. Vous avez bien fait ses bases, nous sont paramobiles. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions, histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Et on va s'asseoir. Très bien. Je vais prendre... Chien. Maison. Ennemi. Mais. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais. La première. Je n'ai pas. Je cherche. J'ai du mal. J'affronte. C'est presque fini. D'accord. Et celui-là ? Le dernier. Eh bien, je n'ai... Discours, oui. Science, ouais. Non, plutôt crochetage.
Ouais, c'est ça. On va prendre les aptitudes de Kraft en premier début. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir, juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Alors. Ça, non. Ça, ça peut être utile. Vous gagnez 5 moins de points à toutes les compétences et vous souffrez d'un mus de 10% qui commence à perdre maintenant. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça permet de. Ça c'est à prendre. Ça c'est si vous voulez voir des extraterrestres, des machins, ok. Très bien, je crois que ce sera tout. Venez avec moi, je vous accompagne. Allez, on voit le Pit Boy là. Allez. Tenez, ceci est à vous. Ne m'en veuillez pas. Eh bien, si vous repartez. Ça s'appelle un Pit Boy. Je ne m'en sers plus, mais je crois. Et mettez ça. Allez voir ce. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous. Quoi qu'il en. Mais. Bon, le mode hardcore, pas cette fois-ci. Allez, j'ai obtenu mon premier succès sur l'Epic Game Store. Allez. De 9 mm pour la rechercher après. Le PM plutôt. Charge.
Au pied, Cheyenne. Ouais, retrouvez. Ah, un magazine. À tirer au fusil. Bon, vous voyez ces bouteilles de salse pareil sur la clôture? Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. C'est l'idée. Oh là là. J'ai l'impression que le jeu est aussi bugué que sur Steam et Microsoft. Essayez de vous accroupir et de rester joli. Bon, bah c'est un début, mais j'y... Écoute, suivez-moi. C'est Victor. Vous entendez ça? Sur la crête, ce sont de... Voyons. Donc on part fusil à vermine, on va utiliser notre arme. On va les faire exploser, allez. Allez, boum! Vous voyez, ça co... Il y a deux... Ça... Suivez-moi. Allez, bouffe du plomb! Sans vous, je serais morte. Je suis venue chercher de l'eau. Voilà. C'est un PNJ qui rapporte beaucoup de réputation. C'est pas mal. Du beau travail. Voilà un peu. Il y a... Je me suis... Très bien. Que je... Ah,
Ah ouais, faut rappeler, faut rapporter des petits trucs. Oh là, elle boit elle. Salut. J'ai l'impression que le jeu est aussi buggé que sur... Alors. Alors, il y en a un autre que le cimetière, mais ce serait bien ces deux. De chercher un petit objet important. Vous devez être la personne que Doc. Les munitions. C'est une affaire de quantité par. Le chef et les grands cas. Deux fois. Si vous allez à New Bay, un conseil, pas de bêtises. Ah, les autres. Ce sont des durs, mais ils sont. Les. Ça sert à rien. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. Et bonne. Bon, d'abord au cimetière. D'accord, on va utiliser la bonne méthode. C'est qui est là-haut là? Ah d'accord, ah, c'est monsieur Victor. C'est l'heure de tuer du Ravelina. Salut partner. Je me promenais quand j'ai entendu. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Je suis insécure. Bon. Bon, il y a tous les mouches. Ah non, pas toutes. Il en reste une. Voilà, une boule de neige. Oh, sa gueule, c'est machin. Bon, c'est là qu'on s'est fait descendre. Ça va.
Oh là là, c'est bugué, c'est bugué, c'est bugué, c'est bugué. On va s'en chercher. Oh là 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 là, le jeu est vraiment bugué. Putain, ça saccade de partout. Récupérer après, ouais, je crois que c'est au pied d'un arbre, il me semble. Je me souviens bien. Voilà, c'est pas loin là, c'est pas par là. De planque de substitution pour trouver mieux. Alors ta. D'accord. Telle boîte ça peut être utile. Là ça saccade sévère, hein, sérieux, hein. Oh là là là, comment ça saccade, sérieux? Espèce de lâche. La Vella, pas besoin d'aller à l'école. À 10 mètres. Montrez-moi ce que vous avez. Très bien. Allez. Oh, c'est de la poudre de guérison. Ouais, c'est ça. Hey, pas mal. Parfois, ce qui compte, c'est que... Voilà, je vais repartir. Dites, rendez-moi. Elle m'en voudra. Belle Trudy.
J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au... On dirait... Il vient... Il se... Un meurtre. Certains, personnellement, des condamnés aux travaux. Le problème, c'est qu'il y a eu une... Si vous avez... Je vois pas pourquoi. Un ex... À part que... Ils se sont dit... J'ai cru entendre... Tout... Quand... Allez-y. Je... Il est assez... Il était là avant... Surtout des marchands qui veulent acheter de la viande et des pots de grande corne. La plupart... Oh, toujours. C'est la ré... Elle fait ce qu'elle peut. Je suis sûre. Rien que des négriers, des meurtriers, je... On dit que la... Allez, on repasse la radio. Une petite soif? Je peux... Oui, je l'ai entendu se remettre en marche après. Pas du tout. Peut être utile. C'est un plaisir de faire des affaires avec... Allez. J'ai combien de réparations là? Allez, ouais. On va voir si on peut.
pas si ça peut être utile. Alors, là. Pour l'instant, merci. Bon bah voilà pour cette 40 minutes de gameplay sur Fallout New Vegas sur l'Epic Game Store, il est gratuit. Si on a un compte, on l'a définitivement. Okay. Ça reste saccadé, mais je réserve mon avis pour voir si le jeu ne crash pas comme comme c'est sur le cas sur Steam et sur Windows. Sur le Microsoft Store. Alors, le jeu est quand même assez saccadé, donc de mon souvenir, le jeu crachait pas encore quand on est encore sur Boonswing, mais ça, quand on passe sur les zones plus loin, donc j'ai bien peur que ça soit pareil. Voilà, ça ne va pas se cacher, ça risque de pareil.